Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, fin de stage de perfectionnement et d'aguerrissement de 38 agents de la compagnie républicaine de sécurité CRS. 3 mois de formation ont permis d'acquérir des gestes techniques et professionnels dans les domaines comme la protection des hautes personnalités et le maintien de l'ordre. Dans ce journal également, le lancement de la campagne sèche 2016-2017, une campagne placée sous le signe de l'intensification de la production agricole et de la création d'emplois décents par le développement des aménagements hydro-agricoles. Ravi de vous retrouver. Fin donc de stage d'aguerrissement de 38 stagiaires de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Au bout de 3 mois de formation, ils ont acquis de nouvelles connaissances dans les domaines de maintien de l'ordre et de la protection des hautes personnalités. La cérémonie de fin de formation a servi de cadre pour démontrer un pan de leur savoir-faire. Oumarou Sagnon et Issia Kanana. Une manifestation de foule aussitôt dispersée par les éléments de la compagnie républicaine de sécurité de Gawa. Tout comme cette technique de maintien de l'ordre, ces jeunes policiers sortis de l'École nationale de police ont donc été aguerris en gestes techniques et professionnels, en battant de police à poignée latérale ou tanfa, ou encore en technique de combat. Des modules appris au cours de 3 mois de stage de perfectionnement et d'aguerrissement et qui sont ici démontrés devant la hiérarchie. On a démontré, le PHP c'est la protection des hautes personnalités. Il y a le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et il y a l'armement et l'instruction chez les tirs. En tout, ça fait 5 modules. Tout s'est bien passé de notre avis. Il y a des petites difficultés, mais c'est très minime. On s'est en sorti. Après cette formation, on ne s'arrête pas là. On a les séances de formation continues. Nous allons toujours poursuivre, même avec nous qui sommes anciens. Chacun apprend au quotidien. S'adressant à ces nouveaux éléments qui intègrent ainsi la CRS, ce corps d'élite de la police nationale, le directeur régional, tout en les souhaitant une bonne carrière, les a invités par ailleurs à plus d'engagement et de détermination. Pour lui, le terrain recommande des sacrifices pour être au service de tous. De la sécurité, nous passons à la santé avec cette trouvaille qui devrait améliorer la fréquentation et la qualité des services sanitaires. Il s'agit d'une application téléphonique expérimentée dans les districts sanitaires de Yako et de Gourci par l'UNICEF. Le lancement officiel du projet pilote a eu lieu la semaine dernière à Yako en présence de Ouma Zombri. La transmission des données sanitaires est primordiale dans la planification des moyens. L'UNICEF veut mettre le téléphone portable à contribution dans la collecte de ces données sanitaires dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Une application dénommée mHealth est expérimentée dans ce sens avec les agents de santé à base communautaire de Yako et de Gourci. Il s'agira pour eux d'utiliser cette application pour envoyer les informations utiles à la planification. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés pour transmettre les informations. Il y avait des difficultés pour faire la situation réelle des produits qui entrent dans la prise en charge de la santé des enfants. Aussi, à travers cette technologie qui va permettre d'améliorer la qualité d'avoir des données à transmettre et la rapidité avec laquelle ce sera transmis. Ce projet ainsi lancé entend améliorer la qualité du service et accroître la fréquentation des services sanitaires. Il vient compléter le dispositif des agents de santé à base communautaire déjà déployé sur le terrain. On a besoin de rapprocher la santé des populations. Toutes les populations ne peuvent pas aller au niveau du système de santé, d'où la mise en place de cette santé communautaire avec le réseau des ASPC. Je pense que le gouvernement a très très bien compris que c'est une stratégie fondamentale. À terme, l'application mHealth sera utilisée par tous les agents de santé à base communautaire dans la région du Nord si l'expérience de Yako et de Gourci s'avère concluante. Retour à Ouagadougou où le collectif d'aide aux insuffisants rénaux vole au secours des malades de l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Né il y a à peine 9 mois, le collectif a pu collecter la somme de 2 millions et demi de francs CFA. Une somme mise à la disposition de la prise en charge des malades. On en sait davantage avec Kosun Koulibaly, Dimitri Badini et Ismaël Diloma Sirima. Il y a 3 mois, le collectif d'aide aux insuffisants rénaux avait prévu récolter 9 millions de francs CFA. Mais au final, ce n'est que 2 500 000 qui ont pu être mobilisés. Une somme que le collectif alloue aux malades de l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Notre principale motivation, c'est la solidarité. La solidarité parce que nous pensons que c'est
par la solidarité que nous pouvons arriver à résoudre tous les maux de la société. Et nous espérons qu'avec ce don-là, nous pourrons soulager des malades atteints d'insuffisance rénale. L'objectif du départ n'étant pas atteint, le collectif décide de prendre en charge une trentaine de personnes souffrant de fistules au détriment des insuffisants rénaux. Un geste qui, selon le représentant du ministre de la Santé, vient à point nommé en ce mois de solidarité. Je voudrais tout d'abord féliciter les membres du collectif qui, avec peu de moyens, ont pu récolter des fonds pour venir en aide aux composantes faibles de notre société, savoir les insuffisants rénaux. Ce sont des Burkinabés qui se battent jour et nuit contre la maladie. Pour la cofondatrice du collectif, cette action est mineure. Dans les jours à venir, elle espère en faire plus pour les malades et surtout pour les insuffisants rénaux. Santé toujours avec les 30 ans de lutte contre le VIH au sida commémorés en différé à Dori. À l'occasion, une conférence publique a été animée pour faire le bilan de ces 30 ans de lutte et dégager les perspectives. Yamba Nakulma et Bernard Diasso. 1986-2016, cela fait 30 ans que les premiers cas de sida ont été officiellement annoncés au Burkina. Et aujourd'hui, à travers cette commémoration régionale, le pays a décidé de marquer une halte pour voir ce qui a été fait et quelles sont les leçons à tirer pour définir des stratégies meilleures afin de mettre fin à l'épidémie en 2030. Lorsqu'on fait l'analyse des chiffres, on nous dira que le taux de prévalence du VIH est passé de 7,17% en 97 à 0,90. Mais derrière cette régression un peu sensible, il y a l'autre réalité que, quoi que l'on dise, le VIH-SIDA demeure et demeure toujours et nous devrons intensifier nos efforts afin d'être au rendez-vous de 2030, déclaré par l'ONU-SIDA comme date plus ou moins butoir afin de mettre fin à l'épidémie. Cependant, la stigmatisation et la discrimination apparaissent de plus en plus comme le principal obstacle au ralentissement de la progression du VIH-SIDA et l'accès aux services de prise en charge adéquates. C'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats sont encourageants, mais il ne faut pas baisser la garde car, comme le conférencier l'a dit, on a connu d'autres épidémies où on a cru que ça s'était endormi et c'est revenu en très grande force. Donc je pense qu'il y a un grand éveil de la population qu'il faut susciter pour que la veille en tout cas soit maintenue. Cette commémoration des 30 ans de lutte contre le sida doit donner une occasion de mettre en place une réponse holistique, adaptée. On en vient maintenant au lancement de la campagne sèche 2016-2017. C'est à Toessé, une commune rurale de la province du Yatenga. Une campagne placée sous le signe de l'intensification de la production agricole et de la création d'emplois décents par le développement des aménagements hydro-agricoles. Sur les défis et les attentes de cette campagne, le reportage de Irénée Kabouré et Moussa Ki. Le Burkina Faso attend 37 879 tonnes de céréales et plus de 2 millions de tonnes de produits maraîchers à l'issue de la campagne agricole des saisons sèches 2016-2017. Une campagne agricole qui a été officiellement lancée à Toessé par le ministre en charge de l'agriculture et qui doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire durable et à réduire la pauvreté au niveau du monde rural. Nous aménageons les périmètres et nous installons des familles. Pour une famille qui cultive 1500 mètres carrés, en fait, si la production de l'oignon, de la pomme de terre ou de la tomate, à la récolte, si 2 ou 3 mois, il peut avoir au moins un bénéfice qui peut aller entre 150 000 et 200 000 francs pour la famille. Donc, je peux dire que c'est une activité qui permet vraiment la survie des familles. À côté de ces témoignages, des défis restent à relever pour permettre aux producteurs de mener à bien leur activité. Il s'agit entre autres du manque de moyens financiers et de matériel de production. Nous apportons des ressources aussi bien en matériel agricole, en intrants de qualité tels que les semences, les engrais et aussi l'appui conseil auprès des producteurs pour que les paquets technologiques que nous leur proposons puissent être utilisés à bon escient. Placé sous le thème
Intensification de la production agricole et création d'emplois décents par le développement des aménagements hydro-agricoles, la campagne agricole des saisons sèches 2016-2017 a démarré sous de bonnes auspices pour les producteurs des quatre provinces de la région du Nord. Et ils ont reçu symboliquement des intrants et du matériel de production de la part du ministre en charge de l'agriculture. Former des ingénieurs de conception hautement qualifiés répondant aux besoins des entreprises et aux standards internationaux, voilà un défi que s'est fixé l'Institut supérieur de génie civil. La première promotion de cette filière vient de faire sa rentrée. C'est en présence de Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Rentrée des classes pour ces 27 élèves ingénieurs. Admis au programme d'ingénierie et de conception à l'Institut supérieur de génie civil ISGE, ces étudiants constituent la première promotion de cette filière d'ingénierie et de conception à l'ISGE. Alors, l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, c'est un institut supérieur qui a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et 18 entreprises partenaires du secteur de l'énergie électrique et des télécommunications. Aujourd'hui, les besoins des entreprises se situent à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau ingénieur de conception. C'est ce qui a guidé naturellement la mise en place du cycle ingénieur de conception. Les candidats inscrits à ce programme d'ingénierie de conception ont été sélectionnés à la suite d'une série de tests. L'inscription s'est passée en trois étapes. Premièrement, ils ont fait une présélection de dossiers pour retenir vraiment les meilleurs. En second plan, on a passé un test écrit où il y avait 6 épreuves qu'on devait composer en 2 heures. À l'issue de ces épreuves, on a participé à un test oral où on devait présenter nos projets professionnels et nos ambitions, nos hobbies, tout cela. Et à l'issue de ces 3 tests, nous avons été retenus pour participer à ce cycle. Cette première promotion sortira en 2019 en tant qu'ingénieur de conception en route, bâtiments et autres travaux publics. Ils pourront ainsi apporter leur expertise aux entreprises burkinabè et internationales. Dernier élément de ce journal, et nous mettons le cap sur Tourfé à une vingtaine de kilomètres de Titao pour la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Lecture de Coran et prêche étaient les temps forts de cette commémoration placée sous le sceau de la tolérance. Nous restons avec Ismaël Diloma Sirima pour le point. Bravant sommeil, fraîcheur et autres intempéries, les fidèles musulmans de Toulfé dans le Loroum ont, dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier, commémoré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Une nuit de prière, de louanges et de lecture de Coran pour rendre hommage au prophète qui a prêché l'islam. Le Mawlout que nous célébrons marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui que Dieu nous a envoyé. Il est aussi dit que tous ceux qui sont des disciples du prophète bénéficieront de la miséricorde de Dieu. Mobilisé autour du Cheikh Youssouf Niouga de Toulfé, un département situé à une vingtaine de kilomètres de Titao, des érudits de l'islam se sont relayés pour partager les enseignements du prophète. Enseignement axé sur l'amour, la paix et surtout la tolérance. Quelle est l'influence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie des musulmans? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a vécu à la Mecque et précisément à Médine aussi, il a vécu avec les non-musulmans, mais il y avait la fraternité, il y avait l'amour avec ces personnes-là. Nuit de profonde introspection sur la vie et les comportements du prophète, le Mouloud 2016 à Toulfé a connu la présence de fidèles musulmans du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon. Voilà, c'est cette ferveur religieuse qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Adama Koulibaly vous retrouve demain. En attendant, l'info revient à 20h avec Peggy Ouédraogo. À bientôt.